fait rage. Plusieurs villes viennent de subir des bombardements d'une rare violence. On me signale un premier bilan qui fait état de 94 morts et de centaines de blessés. On assiste en direct à un véritable exode de la population qui tente de fuir les zones visées par les attaques. Mes parents m'ont dit d'aller au port, à toute vitesse, pour nous sauver en bateau. Vite, vite, on la joindra là-bas. Attention, elle est avec un fusil là-bas. Cette barque, cachons-nous dedans, sous la vache. Je suis Mohamed, on m'appelle Mo. Avant la guerre, j'allais à l'école du quartier. Maintenant, elle est détruite. Et toi? Moi, c'est Youssouf. J'ai pas pu aller à l'école à cause de la guerre. Moi, l'école, j'aimais bien. J'avais plein de copains. Et maintenant, elle est détruite. On n'ose plus y aller. Mais le terrain de jeu est miné. Mon père est parti faire la guerre. Il y a des mois qu'il n'est pas revenu à là-bas. Ici, et donc on n'a pas de nouvelles. Je vis avec ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a de la peine à marcher. C'est pour ça qu'elles ne sont pas encore là. Mais elles vont arriver. Nous, depuis des mois, on est dans une cave à cause des bombardements. J'en ai marre de cette guerre. C'est mon père qui m'a dit de venir ici pour nous sauver en bateau. Je voulais pas y aller, mais ma mère pleurait et m'a dit d'obéir. J'ai froid, je veux pas pleurer, je veux rentrer chez moi. Si tu retournes là-bas, tu risques de mourir. Regarde, il y a encore plein de fumée. Faut pas paniquer, on va rester ensemble, unis comme des frères. À nous deux, on va s'en sortir, tu verras. Chut, les gens arrivent, faut se cacher. $200 par personne. Allez, c'est pas cher pour partir d'ici. Allez, 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 allez. En Europe, vous gagnerez $1,000 par mois. Allez, allez, c'est pas cher. Nous n'avons que $50, monsieur. Ayez pitié. Pas question, c'est $200. Il n'y a pas à discuter. Mon fils est déjà en Italie. On vous remboursera, c'est sûr. Montre-moi ces bijoux, mémé. Ah. Ok. Et toi, le vieux, je veux ton alliance, ta bague, ton porte-monnaie. Allez, allez, plus vite que ça. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Nous avons notre dignité. Vous n'avez pas de cœur. Alors, restez en enfer. Vous serez grillés avec vos bijoux. Tu dois bien tenir le gouvernail. C'est pas difficile. Tu mets plein gaz et toujours tout droit. Et si les policiers italiens vous arrêtent, restez cool. Ils vous conduiront en Italie demain soir. Vous serez arrivés. Allez, ciao! On devrait bientôt arriver. Voleur, voleur, il m'a volé mon pain. Non, Mo, lâche-le. Il sait que ce qu'il a fait est mal. Il va s'excuser. C'est un voleur, il doit être puni. Tu vois bien qu'il est déjà puni. La violence n'arrange rien, Mo. Il va s'excuser. Pardon, je m'excuse, j'avais tellement faim. Tu vois, Youssouf, il regrette sincèrement. Il t'a volé le pain parce qu'il a faim. Comme toi, comme Mo, comme nous tous, il faut lui pardonner. C'est bien, c'est bien. Youssouf, je vais te donner mon dernier morceau de pain. Mais cette fois, fais attention. Serre-le bien dans ta main. Ce que tu as fait, c'est mal, c'est très mal. Promets-moi de ne plus voler, jamais. Tu me le promets? Oui, je vous le promets. Gardez espoir, mes amis, gardez espoir. Pour vous aider à dormir, je vais vous chanter une chanson que j'ai apprise en France il y a très longtemps. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé, il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée. Ohé, ohé,
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé ohé. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé ohé. Sauvés in extremis de la noyade. Ils étaient agrippés à une vieille barque en perdition pendant plus de 6 heures. C'est la marine italienne qui les a ramenés à terre. Selon nos sources, la Suisse aurait décidé de les accueillir. Youssouf ! Youssouf ! Où t'es, Youssouf ? Youssouf ! Youssouf ! Youssouf ! Il faut que je le retrouve. Youssouf ! Youssouf ! Je vais la chanter bien fort. Youssouf le rendra et il viendra vers moi. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé ohé. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé ohé. Youssouf! J'avais tellement froid et peur. Et toi, ça va? J'ai mal à la jambe. L'eau était très froide. J'avais peur des requins qui tremblaient jusqu'à l'arrivée du grand bateau. Ils m'ont fait monter avec une échelle puis ils m'ont emballé dans une grande feuille toute dorée. J'ai mangé de la soupe puis je me suis endormie. Où sont nos parents? Bonjour les enfants, ça va? Ici vous êtes en sécurité. Je m'appelle Heidi. Et vous, comment vous vous appelez? Je m'appelle Mohamed. On m'appelle Mo. Où sont mes parents? Je m'appelle Youssouf. Mo, Youssouf, tout va bien aller. Je suis de la Croix-Rouge. On va s'occuper de vous, vous donner à manger et des vêtements. Je veux mes parents! On va tout faire pour les retrouver. Je veux ma maman. Quand c'est qu'elle vient me chercher? Je ne sais pas, je ne peux pas te le dire. Faudra avoir de la patience. Les recherches sont parfois longues. Ici, nous sommes à Bari, en Italie. J'ai votre billet de train pour aller en Suisse, dans une jolie ville qui s'appelle Bulle, comme une bulle. On partira après-demain et je serai avec vous pendant tout le voyage. On arrivera à Bulle le 6 décembre, le jour de la Saint-Nicolas. Cool! Saint-Nicolas, c'est le monsieur que Siméon nous a dit de prier sur le bateau.
Tu te souviens, Youssouf? Oui. Il sera là, Saint-Nicolas? On pourra le voir? En vrai? Oui, bien sûr, il sera là. Vous pourrez le voir et même lui parler. Mais pour cela, il faudra être bien sage pendant le voyage. Mais je suis sûre que pour vous récompenser d'avoir été très courageux, Saint-Nicolas vous donnera à chacun un biscôme. Un quoi? Un biscôme, ça se mange et c'est très bon, vous verrez. Merci, Saint-Nicolas.